Messieurs, dames, la famille, bonjour, bonsoir. C'est avec même l'amour, même qui est content, même enthousiasme, nous rentrons la caillou, jeudi, samedi, qui 26 juin 2021, nous portons pour une nouvelle vidéo d'information. Quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité à nos vidéos, c'est nouvelle l'amour, maman, ancien président pays d'Haïti, Jean-Bertrand et Aristide, les mêmes qui ont passé un moment assez difficile, nous sommes capables, nous sommes appréciés. Comment c'est une ambulance qui a couru avec le président pour être capable de mettre dans un avion qui était sorti en République dominicaine pour terminer le Cuba pour le prendre soin. Et bien, hier après-midi, maman ancien président et Solange ancien Pierre Louis Aristide, eh bien, il mourit et après plusieurs temps que lui-même il a combattu ensemble avec une maladie. Et bien hier, et maladie a lui-même les portées victoire sous maman ancien président. Nous déjà connaissons pour situation que le président lui-même la vive, et bien, il n'y a pas capable de parler de nouvelles, ça parce que c'est une nouvelle qui est très choquante pour lui et pour l'état de santé. Nous croyons que jusqu'à présent, le président Jean-Bertrand Aristide, lui pourquoi connaît nouvelle ça. Nous avons fini pour nous capable de parler plus de détails et sous question de la mort. Ancien président. Yon l'autre côté, gagné DG Police Nationale d'Haïti, Léon Charles, lui-même qui frappe fort. Nous prenons une chance pour nous capables de tendre ancien DG à lui-même qui était en conférence pour la presse, ensemble avec porte-parole la police, lui-même qui parle dans nos détails sur diverses opérations que la police menait côté en pile bandit. Dans la boule 12 ans qui tombait en bas balle, la police d'Haïti, il y a un pile bandit qui arrivait mourir dans l'opération de la police. Et bien, nous parlons de détails ensemble avec porte-parole la police là. Et puis Léon Charles qui parle par les noms de barbecue, série de bagailles, matériel qui rentrait pour la police nationale d'Haïti pour mener l'opération. Nous parlons de tous les détails ensemble avec Léon Charles et porte-parole la police là. Mais bien avant que nous rentrions dans les détails, et permettez-moi pour quelques secondes pour capable de remercier ou même qui permet de travailler qu'on a fait à l'impossible ou même qui est là pour encourager nous, pour toujours garder nous. Et bien, nous remercions pour support, pour collaboration. Et si ou même c'est pour la première fois ou à suivre, nous on a invité pour capable faire partie de grande famille et voir la caille pendant que vous abonnez ensemble avec nous. Activez la cloche, ça permet que vous recevez une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et comme ça, vous êtes capable d'aider nous tous pour nous capables arriver à 300 000 abonnés. Sans que nous n'ayons pas perdu de temps, nous allons entrer dans le développement et l'information. Nous pourrons attendre premièrement DG Léon Charles qui s'est. Et chef police nationale d'Haïti, lui-même en conférence pour la presse qui est police nationale à table hier, lui-même lui fait une série de gros déclarations sur l'opération de la police à mener, nouveau matériel qui va rentrer pour la police nationale d'Haïti, et puis tout, lui pourra parler de bandits qui ont fait et des faits, qui plan la police nationale à gagner pour être capable de mettre bandits à eux hors d'état de nuire. Ensemble avec nous, DG police nationale d'Haïti, Léon Charles. PNH, c'est Goumelier. PNH a frappé, monsieur a attaqué le commissariat. Dans trois dernières semaines, il y a eu 6 sous-commissariats qui ont attaqué, mais qui ont tué, ils ont boulé les policiers. PNH a été déjà mobilisé, mais frappe ça, que bandit, ben là, il y a moins de c'est la ligne rouge là, que vous franchi. Elle te dit mobilisation, c'est Goumelier. Nous avons eu 2 semaines opération qui fait sous zone Badelma, cracher du feu. La police a été stoppée, réduit la capacité de frappe gang Zayo et n'a poursuivi. Nous avons refait l'autre intervention sous même zone là. La police, là, pendant l'opération, ça, après l'opération, ça, bandit Delma 2, 4, 6, attaqué en patrouille. Simo, donc un policier qui tombé, qui a assassiné. Et intervention a été faite dans la zone pour nous stopper
arrêté pour chasser bandits. Et en réaction, ouais, tête bandit chaud, bandit a pris manchette, bandit a menacé, et m'a dit, force légale là, c'est la police là. Nous frapper, ils ont utilisé les moyens forts, ils ont crasé le commissariat. La police a résisté. Et c'est ça que fait, nous continuons le plan d'opération que nous avons sous la zone métropolitaine qui fait arriver la boule 12. La boule 12 nous dit son conflit terrien qui vient déboucher sur Matissan. Mais les gens, les rendent la population qui vit dans la zone, la vie impossible. Nous montons l'opération, nous faisons pénétration, son opération dure 72 heures de temps, il est beaucoup fini. Résultat, c'est ça nous est. La police a démontré, quel que soit, même si on a cric mode, même si on entre dans la cave, on a cherché. Dans Rémi, zone quoi de bouquet prend pas, nous étions pour nous faire l'autre zone. À chaque fois, on a pris un cas précis que possible pour ne pas gagner trop de dommages pour la théo. Mais c'est pour nous dire, c'est Goumen lié. Bandi ou cap menacé pour un titan. Mais la police a continué à faire travailler. Son plan d'opération, nous fait 4 déjà. Nous avons 22 bonnes batailles. Nous avons privé sur tout bandit ou pas cap continuer à menacer la population. Nous avons mis les moyens, nous avons fait réunir l'intelligence que nous devons réunir, faire analyser et nous avons monté l'opération. Nous avons continué à attendre la réponse, nous avons observé la réponse, la police a fait pour défendre la tête et protéger la population. Pas qu'une institution, côté tout le monde marche bien, toujours des problèmes. Le leader, le responsable, c'est identifier les problèmes. Avec commandement, résultat. Je ne suis pas venu là pour me dire que nous avons un PNH qui a fonctionné et comme sur des roulettes, pas de problème. D'ailleurs, je suis là pour ton réponse à problème 509. Là. C'est un malaise, c'est un gros malaise. C'était carrément le non-droit, contestation de l'autorité, loi de Russell. Mbabdi 509 là, pas actif parce que à travers les syndicats, il y a une revendication qui est chariée. Mais l'homme pour moi-même, un policier en uniforme qui a boulé son bandit. Il m'a adressé le problème. C'est ton malaise. Il y a l'autre malaise qui a gagné, il a traité, il y a après l'autre pour être capable de résoudre le problème interne. La police a un problème, question. Et ressources matérielles, il y a un problème de discipline, comme ça gagne dans toute institution. Et moi-même, en tant que commandant chef de la police dans Haï, je m'ai adressé depuis 7 mois. Là. Nous pas dormi, nous pas campé. Problème non. Moi-même, je tête nous. Moi, je tête moi quand on mato, chaque problème son clou, je m'ai frappé. Et c'est ça m'a fait. La boule 12. Il y a des gens qui voulaient retirer le crédit. Hein. Non, mais la police a dit que c'est blanc. C'est des policiers d'unités spécialisées qui entraînent, qui font opération. Bien entendu, au cas où il y a un moment où il y a des consultants. Les consultants n'ont pas participé à l'opération. Ce sont des opérations qui sont exclusivement conduites par des policiers. Nous captons du compte de. Dans la formation, dans l'entraînement, ou cap gagner accompagnement. Sous l'image qui a circulé sous le commissariat Saint-Joseph, son défi lié pour nous. Son problème en plus. Ils ont entré dans le commissariat, ils ont tué les policiers, ils ont pris les policiers, ils ont tué, ils ont cherché. Nous tournons. Nous frapper, nous prenons frappe. Nous avons un côté frappe à la sortie, nous continuons à frapper. Et puis, nous avons une rage pour bandir, craser tout sac
représentait la police, tout ça représentait l'État. Son défi. Noël, nous pas fiers de lui. Nous admettons que Jean Blandi là, son pushback nous fait retrait. Mais stratégie a défini pour l'État, la police là, en tant que bras armé l'État reprend le contrôle. Menace la passe sous commissariat Saint-Joseph seulement. Ils ont attaqué le policier Simon qui est tout près. Menace sous garage, menace sous inspection générale, menace sous Simon. Les bandits sont maintenant comme des bêtes blessées. Ils ont réagi de manière violente. Mais c'est la police qui a gagné le monopole de la violence légitime. Nous ne pouvons pas utiliser le même genre avec eux. Méthode, intelligence, enquête, frappe. C'est Goumen lié. Nous ne pouvons pas Goumen même genre avec eux. Je dis tout encadrement que y a dit que nous gagnons. Je dis dernièrement, il a réfléchi sur lui, insisté sur ça, je dis là. Je dis déjà. Bataille qu'a faite là, son bataille de terrain qui mandait un encadrement militaire. Mais c'est nous que là, l'armée, à un certain niveau, accompagne nous. Il y a des bulldozers, l'un est bloqué par exemple. Central Vareux qui délivre Carrefour. Nous-mêmes qui là, goumé pour jouer nos galons gaz. Tor qui délivre Carrefour. Il y a bloqué accès. Nous avons des informations, Noël, ça gagne, nous déblayer, ouvrir route là. Avant hier, il y a une quantité de camions passés pour aller réalimenter ces sacs bail, petit soulagement dans la question de distribution de carburant. Mais demande là est assez forte, la police a continué à travailler sous VAE, créer accès pour aller nous service pour nous jouer de gaz dans le pompier. C'est même gens tout menace qui fait sous pillage qui dit hein? Monsieur on est qui dans un voyage qui dit c'est peuple à défendre leader communautaire Robin des Bois mais les rabon manchette pougnier la menace la population les yo aller débarquer dans businessman à chercher coffre fort à chercher l'argent ça relé voler bandits, kidnappeurs, oh la loi. La police a continué à faire travail pour empêcher que les gens continuent à faire des problèmes. Il y a des bandits qui sont dans le dernier jour. Parce que le focus là, sur les plus méchants, qui plus violents, qui paniquent la population. On a travaillé sur ça. Mais l'autre bandit qui après, on a continué de travailler. C'est job nous comprendre, je me dis là, gagner des situations qui ne font pas honneur à la police, mais nous avons pour prendre au fur et à mesure, pour arriver sur les. C'est force nous, c'est force légale, nous ne pouvons pas agir, même avec eux, mais nous pouvons agir de façon même plus violente, tout en respectant la loi. Nous avons trois membres de gang qui ont arrêté dans la zone Belader. Trois présumés bandits qui ont arrêté dans le Campérin. Il y a un camion marchandises qui détourné et qui retrouvé par la police. Nous avons un dossier qui menait dans la zone qui relait dans Rémi. Nous avons une opération qui menait dans la boule 12. Nous avons une scène de pillage qui est enregistrée dans la zone cité militaire et disposition la police prend. Véhicule qui volait et que PNH l'a retrouvé. Membre de gang qui arrêté dans la zone Belader. Dans la zone ça, il y a trois membres de gang que la police rivait, mettait mes sous grâce à support population. Et commandement la police là, à travers DGPNH, voyons félicitations à tous ceux qui vivent dans la zone ça. Jean l'ai dit déjà, pour la population, pour tes contributions. Alors, une fois que la population a la police, à poursuivre M. Sayo, il a été mis
et aider la police barrer monsieur Sayo. Trois monsieur Sayo, gen deux là parmi yo que la police t'a cherché. Gayen Louis Charles Molière qui était impliqué dans plusieurs actes criminels dans la capitale là. Gen Donald Sandville qui c'est membre gang 17 euros qui t'a fonctionné dans Rémi. Il était participé dans plusieurs cas enlèvement, braquage, assassinat et un inspecteur qui était affecté dans circulation. Gayen Jean-Baptiste Mackinson qui est impliqué dans cas assassinat yon l'autre monde dans capitale là. Et population t'a aidé la police empêcher yo traverser frontière là pour être capable de répondre question la justice pour qu'on est là monsieur Sayo là a pral voyé yo dans tribunal pour répondre question la justice. Gagne deux présumés bandi qui arrêté dans zone Camperin. C'est la date 21 juin 2021. Gagne un monsieur qui bail la police information. Gagne plusieurs individus t'a vinn recevoir rançon nan même monsieur ça pour t'est capable pas kidnapper li. Et trois monsieur ça yo la police t'est rivé mettez mes sou yo, c'est Sori Sedek, Dunel Julien et Franz Jérôme. C'est comme ça pour nous la population bail la police information, li facile pour la police travail. Gagne un camion marchandise qui t'est détourné et la police rivé mettez main sur camion ça avec quelques individus qui t'a fait débarquement camion ça. C'était dans zone quoi d'émission camion ça il était détourné et il était retrouvé dans zone bon repos. T'es gagné deux monde que la police t'est possédé à interpellation yo. Gagne une qui stoppé et une t'est touché par balle et la police a continué chercher lui. Et nous mandé population quel que soit monde ou en zone cap caché qui gen blessure par balle pas hésiter informer la police capable c'est un monde qui prend balle dans échange de tir avec la police mais cap essayer aller prendre soin li pas cap prendre direction l'hôpital mais cap essayer prendre soin informer la police gen dossier opération qui mené dans Rémi gen plusieurs opérations que la police rive mener dans zone Rémi. T'es gagné dans date qui était 15 juin 2021, il y a 9 membres de gang que la police t'est arrivé arrêter dans zone nan Rémi. Yo t'ai fait partie gang 17 euros. Moun sa yo t'ai gen pou nom Jean Elancius Blanc, Gérard Antoine, Davidson Tortus, Dumitri Cléna Amos, Chamo Louis, Naika Balan, Jean Saint-Louis, Dina de Rilus et Vladimir Soufra. Après que la police te fin arrêté mam gang sa yo, te gagné yon lot group gang selon information la police gagné qui se gang 400 Marozo qui t'a essayé vin pran place monsieur sa yo. C'était nan date 23 juin la police mené yon lot opération dans zone sa. Côté li rivé procéder avec interpellation 5 individus qui fait partie de group gang 400 Marozo qui c'est Jimmy Telusmon, Jean-Claude Jean-Baptiste, Rose Camille Jean-Baptiste et Eric Duméus et Jérémy Baptiste. Et gen yon parmi tout individu qui était là yo qui était arrivé stopper, gen l'autre qui était arrivé prendre la fuite. Dans opération ça qui était faite 23 juin, te gen deux motocyclettes avec une génératrice que la police était arrivé confisquer. Gagne un véhicule volé que la police est arrivée retrouver. C'était un Nissan Murano couleur grise immatriculé TQ18403. Monsieur Sayo, tu comprends pour retourner dans zone ça encore. Hier 24 juin, la police débarqué dans zone là. Elle était joindre un groupe nèg qui rassemblé dans zone là et yo était examen dans main. Là où la police a venu, yo fait échange de tir avec la police. Gagne paille Moneus que la police rivé procéder avec arrestation li gen l'autre yo qui te courir prend rivière pour yo courir mais la police li même pas chômé l'a continue traquer yo jusqu'à ce que yo laisse population vivre en paix. Jean commandant en chef la té annoncé li que la police la prend décision pour li traquer tout bandit quel que soit côté yo yé. La police la
informer tout le monde qui est en commandement pour prendre une décision, mener opération dans quelques zones côté y a dirigé, quelle que soit information yo gagné sur un groupe gang qui essaie former ou bien qui théoriser population pas quitter li boujonner. Nous gagné dans la boule 12. Gen opération qui était menée dans date 23 juin 2021. Depuis plusieurs semaines, la police te gen information. Gen un groupe gang qui gen pour nom Macaque qui t'a fait population qui dans zone la boule 12 monter le ciel pas d'eau. La police te prend décision pour mener une opération dans zone ça. Pendant 3 jours, la police te rete dans zone ça, abdomi levé. Pour être capable de contrôler, rentrer, sortir, tout M. Sayo. Bien entendu, il a des informations sur qui ça a réglé, comment il a déplacé. Après 3 jours, ça, dans la zone 2h du matin, dans la date 23 juin 2021, la police commence l'opération. Côté, la police arrivait, stopper 3 bandits dans l'échange de tir. Il y a 6 autres qui arrivaient joindre l'arrestation. C'est Camelo de Saline, qui est un ambulancier, Étienne Jean-Marie, ambulancier, Molin Noël, selon sa parent, il n'y a pas mis un monde qui était blessé, Charles Elisme, Jeannot Joseph et Mama Manès. Il y a plusieurs individus qui sont arrivés blessés dans l'opération que la police a cherché activement. Il y a 2 véhicules qui sont arrivés récupérés. Il y a 2 armes qui sont arrivées saisies, il y a des bonbons de gaz lacrymogène que la police est arrivée saisie tout. Il y a une perquisition qui est menée dans quelques cas qui sont dans la zone côté M. Sayo, qui a évolué. Dans la perquisition, la police est arrivée à joindre que cas Sayo a été fait servir l'hôpital, côté a été joindre médicaments, sérum, seringue. Et nous arrivons à comprendre que il y a des gens qui sont blessés dans la famille qui t'a pris soin là, il y a des gens qui t'a baillé soin. Et la police a continué à chercher information sur ce qui t'a passé dans Kaysaï. Message que la police a voyé par tout le monde qui vit dans la zone, par Kazek, Azek, qui est entourage la zone, sa, tout le monde nous remarque qui est blessé, fait la police connaître. Il y a des scènes de pillage qui était enregistré dans la zone cité militaire. La police te gen information que gen des groupes nèg k'ap rentré dans des magasins qui situés dans la zone ça qui t'a pillé. Une fois que la police t'a informé, il était débarqué. Mais pendant la police a rentré dans la zone ça, il était joindre que moun sa yo te croisé machine à gauche à droite. Il pas trop facile pour te avancer. Parce qu'il était obligé pour un petit temps pour te retirer la machine qui était croisée dans la route pour être capable de continuer à avancer. La police est arrivée sous l'IA, elle a repoussé tout le monde qui a essayé de faire pillage dans le magasin. Et la police est restée sous l'IA pour être capable d'empêcher tout l'autre magasin qui a gagné, monde qui a intention à faire pillage là-dedans pour être capable d'empêcher que ça arrive. Il y a une unité spécialisée qui est placée à bord des blindés. Qui a fait monter descendre dans toute zone ça pour capable empêcher mon piller magasin et quel que soit dans l'autre zone que la police a continué mettre des blindés avec des unités spécialisées pour capable empêcher à pillage. PNH la continue renforcer présence li dans toute zone qui sensible tant qu'on dans Drouillard que nous t'ai gè problème gaz que la police là même t'est arrivé accompagner 109 tanks qui t'al dans zone côté pour aller approvisionner pour te permettre yo venir dans pompe à essence pour yo capable mettre essence dans toute pompe yo. Et hier encore la police t'est accompagné un autre convoi pour capable permettre que pompe à essence continue à approvisionner. Gen véhicule qui t'est perdu que bandi exam t'est prendre en main propriétaire yo que la police rive joindre. Il y a un Toyota Hilux numéro BB20704 que nèg exam te prend nan main propriétaire li sous zone Delma. La police retrouve li dans zone Renaissance et yo te joindre un individu
qui est le Windsor. Nous n'avons pas plus de détails sur le reste non li, mais bientôt nous avons plus de détails sur Noli qui a conduit la machine. Sa. Et il y a un individu qui arrive à la station li, qui est Jeudi Stanley. Individu ça, la police a soupçon sur lui côté l'État impliqué dans la mort inspecteur Gentil Emmanuel Silencieux qui était fait dans la zone Torcel dans la date 18 juin 2021. La police a continué à chercher tout le monde qui était impliqué dans le dossier. Ça. Nous avons arrestation la police rivée fait. Pour moi, juin, la police rivée procédé à l'arrestation de 152 personnes. Gen parmi eux, 5 pour kidnapping, 65 pour association de malfaiteurs. Gen 3 évadés de prison que yo rivé mettre main sur yo et retourner au côté yo teye. Gen plusieurs bandits qui rivé stopper et gen 17 véhicules qui confisqués. Pour policiers qui rivé victime, la police là enregistré 10 cas policiers qui victime. Mais victime ça yo gen 2 par balle. Deux par balle sa yo qui mouri, mais gagne trois qui blessé par balle, qui prend soin que kayo mérité, gagne quatre l'autre qui porté disparu, gagne yon blessé par jet de pierre. Jan situation a développé la police obligé gagne matériel. A gagne matériel qui gagne pour rentrer pour la police la capable travail dans temps qui pas trop loin pour nous capable bay réponse à ça qui passé là. Et ensuite pour ça ou dit est-ce que yo gagne pour yo mandé avec étrangers pour qui viennent de nous, ça, c'est l'État qui est capable de dire. Ce n'est pas la police qui est capable de décider sur ça. C'est au plus haut niveau, décision ça capable de prendre. Ce n'est pas nous-mêmes. Et les policiers, ils sont capables, ils ont fait tout ça qu'ils connaissent pour être capables de mettre l'ordre. Et nous, ils ont commencé déjà. Et pour le commissariat, ou voyez que l'image a circulé, côté des bandits qui ont rentré et ensuite crasé le commissariat, ça. Son façon pour yo capable faire policier yo comprendre que yo même yo pas besoin force de l'ordre dans zone yo. Malheureusement force de l'ordre yo obligé présent tout partout. C'est vrai nous payons paquet pour nous à chaque coin pour nous présent, mais autant que nous capable n'a présent dans toute zone, quelle que soit zone ni yo bandi pas ka comprendre que la police pas ka arrêter dans zone ou dans toute zone la police obligé présent. Dans la boule 12 gen individu qui rele Makak qui t'a dirigé gang ça, qui t'a mouri ou bien la police t'a arrêté. Non, Makak pas ni mouri ni arrêté. Moun yo joine qui mouri dans ambulance là, c'est pas Makak. Information la police gagne, Makak blessé. La police a cherché Makak. C'est peut-être ça nous dit tout azek, tout kazek qui ouais, moun a prend soin dans zone et que plusieurs autres moun qui blessé qui ensemble avec. Nous s'entendons ensemble avec nous, mesdames et messieurs, porte-parole police là, DG Léon Charles, et gens que nous avons annoncé au commencement et nouvelle là, que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, lui-même qui couchait pendant que m'a parlé ensemble avec nous là, sous cabane l'hôpital à Cuba, après que les fins infectées de maladie coronavirus, que nous connaissons qu'en pile monde qui a tombé dans le pays d'Haïti ensemble avec maladie ça. Eh bien, ancien président, lui-même qui sous cabane l'hôpital, eh bien, hier, maman, Solange, ancien Pierre, lui, Aristide, eh bien, il perdit la ville dans Floride là. C'est là que lui-même, il a vécu dans Floride là. Et maman, qui était âgée de 100 ans, et dans mois mai là, il était célébré une fête d'anniversaire, 500e anniversaire, et Solange, il était célébré à Tabar. Eh bien, dans le moment, côté petit prix sous cabane l'hôpital, c'est là ça que maladie à lui-même, lui mettait d'eau à tête. Et bien, c'est tout élément d'information ça que nous t'apportons pour nos vidéos ça. Nous espérons qu'on trouve une autre occasion pour nous capable continuer à informer sur tout fait, tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et bien, on a une chance pour capable suivre ici, sur Chanel Paula.